got my swag, got my cool, got my dough, and I got a black leather beard that's a lock and sign. Rolling like a boss. Eh bien salut à tous, c'est Romain67LH et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale car c'est un peu le nouveau mode de Call of Duty. Donc pour ce mode je suis accompagné en dual commentary avec Roll7696. Salut à tous. Et vous allez voir, je vais réaliser une grande mec, un gros gameplay. Milan était avec moi dans la partie, on vient juste de le réaliser. Et donc j'avais un peu demandé à Milan de me courir et tout, parce que LH Magic BG avait fait une Moab en mastodonte dans ce nouveau mode là. Donc ce nouveau mode qui s'appelle, je ne sais plus, je ne me rappelle plus Milan, tu sais comment il s'appelle ou pas? De quoi? Parce que là j'ai bug. De quoi? Est-ce que tu sais comment il s'appelle le nouveau mode? Je ne me rappelle plus. Le quoi? Le Ça nouveau bug. Mode. Ah le nouveau mode, le... MI quelque chose, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais je le mettrai dans la description. Et donc bah voilà, donc c'est vraiment un superbe gameplay. Donc une Moab en mastodonte plus une Moab au Desert Eagle. Donc franchement vous allez pouvoir voir que je fais vraiment un super beau gameplay et 100% rush en plus. Donc vous allez voir que Roll7696, c'est-à-dire mon cousin, va beaucoup m'aider aussi dans cette partie. Il va être juste présent à côté de moi, donc vous allez voir. Donc là j'obtiens mon sixième atout. Donc pendant ce commentary, Milan va pas beaucoup parler, hein, tout simplement parce que je vais un peu aussi moi vous présenter le mode de jeu, voilà. Donc le mode de jeu, donc c'est un sabotage, et quand vous ramassez la bombe, vous avez tout simplement le mastodonte, donc comme vous pouvez voir. Et donc regardez là, il me colle une sainte texte et vraiment je résiste, donc vraiment pas mal. Donc c'est un mastodonte quoi. Là j'ai failli mourir, donc là j'ai eu vraiment très peur, donc me péter que des assistances, donc franchement je savais pas si j'allais la faire ou pas. Donc voilà, donc vous avez déjà des classes prédéfinies. Donc les classes prédéfinies, ce sont les... vous avez pu voir que c'est Roll7696 qui vient de passer là. Donc les classes prédéfinies sont l'M4A viseur laser avec les scorpions akimbo, l'MP5 tir rapide avec la PKP Schneig. Là aussi j'ai cru que j'allais mourir. La PKP Schneig tir rapide, l'MP5, oui j'ai oublié son arme secondaire, c'est le petit gun là, le tout petit gun là, le MP je sais plus quoi. Mais bon là j'obtiens tous mes atouts spécialistes, donc vous allez voir ça va vite très vite hein. Donc voilà, donc après il y a un snipe, donc la L11, et il y a une dernière arme, le modèle. Donc voilà, donc je vais un peu demander pour l'instant ce qu'il en pense du gameplay. Donc Milan, qu'est-ce que t'en penses pour l'instant du gameplay? Ah, c'est pas mal. C'est pas mal hein. Donc tu vas voir que à la fin je vais beaucoup stresser, et tu te rappelles même très bien que j'avais je t'avais demandé de l'aide et tout. Donc il me semble que c'est par là que je commençais à dire Milan, viens m'aider, je suis à 16-0 là, je ne sais plus, je suis à 10. Je disais plein de trucs genre oh Milan, viens me couvrir et tout. Puis lui à chaque fois il faisait le pigeon. Et à chaque fois, il mourait à l'autre bout et il réapparaissait à l'autre bout de la map. Donc, c'était vraiment super bien. Donc, je dois être à combien à peu près? 15, je sais pas si tu les as comptés, Milan. Non, ça va. Là, regarde, et à chaque fois, j'ai eu pas mal de chance là. Parce que regarde, là, mon coéquipier va beaucoup les allumer. Ce qui va me sauver la vie. Encore une fois, Roll7696 qui était là. Va beaucoup me sauver la vie, regardez là. Là je crois il y a aussi Milan qui se fait tuer. Il me semble que c'est là que tu t'es fait tuer et que j'ai réussi à le tuer. Ah là, c'est moi qui l'ai fait, oui. Ouais, et là il y a un mec là. Il y avait un mec qui est juste ici, voilà. Donc voilà, donc avec Milan on va aussi aller à Paris Games Week tester Black Ops 2 peut-être. Je ne sais pas. Je sais pas si on aura le temps ou pas, mais on va essayer d'aller tester Black Ops 2. Donc j'espère que on fera aussi une vidéo IRL. Je sais pas si t'as un appareil photo toi Milan. Non. Et regardez ici les enchaînements de cuts que je vais enchaîner. Donc ça fait déjà deux cuts que j'enchaîne. Le troisième. Là je crois que je vais allumer quelqu'un.
Hop. Franchement, nouveau mode qui est vraiment plutôt sympa, je trouve, hein. C'est vraiment super bien, j'aime bien. Et là c'est ici, il me semble que je vais débloquer ma mob. Et si j'ai vraiment stressé. Et donc c'est par ici que je débloque ma mob. J'en ai. Ah là, c'est ici. Et je débloque la Moab en mastodonte au désert d'Eagle. Donc je sais pas si tu trouves que j'ai campé toi, Milan. Bon, moi en tout cas, je trouve pas, mais bon. Je sais pas si tu trouves toi. Non. Ouais, et puis là, donc j'essayais, j'ai voulu faire le score en fait parfait. Et de pas mourir, mais malheureusement, bah, il y avait la mob, et puis j'ai pas pu bien drop shotter, donc du coup, bah, j'ai pas du tout drop shotter avec le ralenti. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine. Un petit au revoir, Milan! Salut à tous. Donc je mettrai bien sûr ta chaîne en description, et donc on se dit au revoir avec un magnifique score de c'était combien déjà? 29-2, voilà. Et Milan qui faisait, comme toujours, un score moins élevé que moi. Avec une superbe Oh, killcam. Avec une superbe killcam. Bon allez, salut tout le monde.